Bonjour à tous, une petite vidéo pour montrer du frelon asiatique, un nid primaire de frelon asiatique en début de saison. Donc là il va avoir la taille d'une balle de. Une grosse balle de tennis. Où je vais montrer comment je retire ce nid sans utiliser d'insecticide. Je fais une capture, attention, je sais comment faire, je sais pourquoi je le fais. N'essayez pas de faire chez vous, il y a un fort danger. Donc attention, c'est fait par des professionnels. On sait comment on intervient, même si mon équipement est léger, ça reste quand même très très dangereux. Voilà, maintenant, la vidéo. Alors, je vous emmène faire une petite destruction, une capture de nid de frelon asiatique. Alors, venez avec moi et on y va. On va regarder s'il y a quelqu'un. Eh bien, la voilà. Et il y avait déjà les premières ouvrières, visiblement, qui étaient nées. Parce qu'on voit là, la reine et une ouvrière. Donc ça y est, on a les premières ouvrières. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, mais on a les premières ouvrières qui sont dedans. Je vais vous montrer ça plus tard. Alors là, on a une petite ouvrière qui est juste là, et la reine qui se cache, là, donc elle n'est pas très très vaillante puisqu'elle vient de prendre un coup de froid, mais elle est là. Donc si on réussit à réunir les deux côte à côte, non, je vous montrerai plus tard, on voit la différence de taille qui est assez importante. Voilà,